Salut tout le monde, c'est Monsieur Raptor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tranquillou sur Quakecraft. Il est actuellement quelque chose comme 2h15 du mat. Il est très très tard pour certains et très très tôt pour certains. Où est-ce qu'on va aller? Apex, j'aime cette map. Et on se retrouve pour une vidéo tranquille, détente. Il est 2h du mat. J'essaierai de. J'ai mis le son minimum, nickel. J'essaierai de monter le son au max au montage pour que vous puissiez m'entendre correctement parce que je sais que avec mon micro quand j'essaie de parler pas très fort le soir vous m'entendez assez mal. Ou du moins certains m'entendent assez mal. Donc j'essaierai de régler ça au montage. Mais en tout cas on se retrouve pour une petite vidéo tranquillou sur le serveur d'Hypixel, sur du Quakecraft, et ce coup-ci en live. Pour essayer de vous parler de quelques petites choses qui me tiennent à cœur en ce moment. J'ai cru que j'allais pas l'avoir celui-là. Ah, Shice, j'aurais pas dû tirer la première fois. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que depuis que. Ah, je suis trop con. Depuis que j'ai la série Herobrine sur la map Herobrine Return qui est sortie, vous avez vu plus aucun art détente, plus aucun mapmaker. Effectivement, c'est normal. Herobrine Return, je l'ai fait uniquement dans le but de combler un peu le vide parce que je savais qu'il allait y avoir un vide de hard détente et de mapmaker. Pourquoi? Parce que je suis un peu en retard, les idées sont pas tellement là en ce moment, surtout sur. Ouh, il est venu d'où celui-là, je sais pas trop. Surtout pour mapmaker, j'ai pas vraiment d'idées en ce moment, c'est un peu complexe. Oh, lui il est un peu con. Oh, je les ai pas eu. Lui je l'ai eu. Fuck. Les idées viennent pas toutes seules en ce moment, donc c'est un peu chaud. Oh, spawn kill, c'est un peu chaud. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une petite map aventure, surtout que Destiny Craft m'avait redonné envie de faire quelques maps aventure sympatoches. Et du coup, je suis parti sur du Herobrine's Return. Je vous ai filmé ça d'un seul coup. J'ai fait le montage, il y a 6 épisodes. Et je me suis dit, voilà, j'allais vous en sortir un par jour, comme ça vous fait pas mal de contenu. Et ça me laisse le temps un petit peu de réfléchir. À certaines idées. Oula. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. C'est pas facile. Je remonte un peu dans le score. Ah, ça allait être chaud. Désolé, j'ai pas l'habitude de perdre des parties en fait, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais c'est vrai que en général quand je joue je gagne la plupart de mes parties. Et du coup là de parler en même temps ça me. C'est pas facile disons, de jouer. Oula. Double kill. Je la vois qui part en cacahuète en plus. Oh genre il l'a pas pris dans la gueule celui-là. Ah, je suis débile. 19-15, ça peut aller. Et du coup, pour hard détente, je vous ai préparé quelques petits trucs pour. Pas en attendant, mais j'ai réfléchi à 2-3 petites choses que je pourrais vous faire pour le prochain épisode. Donc, pour leur détente, ça peut aller. Il manque plus qu'à le filmer, tout simplement. Et pour le mapmaker, voilà, je fais vraiment beaucoup, beaucoup de choses en ce moment, en même temps. Que ce soit pour la chaîne ou pour mon travail, que ce soit mon travail personnel ou mon travail pour mon patron. Donc c'est pas vraiment facile à gérer. Je dois avouer que ouais, je crois que ça va être la première fois que j'ai autant de mal à gérer la vie privée, le travail et la chaîne YouTube en même temps. Je suis à combien? 22, 21? Ouh, mais c'est très serré. Ah putain, arrête de camper à cet endroit-là, toi tu me saoules. Putain, mais le mec il spawn kill. Ah, c'est un truc que je déteste, mais au plus haut point ça. Tiens, va crever. Nope. Oh fuck. Il est à 23, je suis à 23. Je peux la gagner celle-là. Je suis désolé, je vais réfléchir 2 secondes. Ah oh, fuck. Dommage, dommage.
Et qu'est-ce que je veux dire d'autre sinon, bah voilà, hein, voilà, l'heure détente arrive. Rassurez-vous, je compte filmer, parce que là, l'heure actuelle où je filme, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y a que jusqu'à l'épisode 5 de Herobrine's Return qui est sorti. Du coup, à combien je suis? 9800, ça va. Elle est à combien d'ailleurs? Coûte bien cher la salle en or. 3500, d'accord. Pour information. Ouais, le hard détente, je pour le moment, ouais, voilà, pour le moment, Herobrine's Return, j'ai posté jusqu'à l'épisode 5 uniquement, à l'heure où je vous parle, il me semble en tout cas. Et après l'épisode 6, il y a un tuto qui arrive, donc j'ai encore 2 jours de libre. Je compte filmer le hard détente là dans les 2 prochains jours. Sachant que avec les 2 petits systèmes, en fait, si vous voulez, j'essaie de sur l'heure détente, c'est un peu complexe parce que j'essaie de vous proposer quelques systèmes sympas dedans, mais en même temps, si les systèmes sont très simples, bah, ça prend pas vraiment longtemps à les expliquer. Du coup, y a qui d'ailleurs comme VIP là-dessus? Lui, il est pas quoi. Du coup, ça, nope. Du coup, ça. Bah, ça fait des épisodes très courts, donc j'essaie de vous trouver quelques petits trucs sympas et du coup, bah, je vous ai trouvé un. Un petit système. What? Ah, il est quoi? Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, bah, du coup, je vous ai préparé un petit système, mais il était tellement petit que j'ai dû en chercher un autre pour avoir un épisode décent, si je puis dire. Parce que sinon c'était vraiment très court. On va lancer une deuxième partie vite fait parce que Mines. Ah, je vais vous montrer la nouvelle map Quickcraft. Elle est horrible. Franchement, je la trouve horrible. Elle est magnifique, certes, mais je la trouve horrible à jouer surtout parce que les déplacements sont super galères. Il y a des blocs partout qui vous bloquent le passage. C'est juste horrible. Mais elle est vachement bien faite en tout cas. Ça c'est certain. Oups. Truc à pas faire en pleine partie. Oups, ouf. Je sais pas trop c'est quoi comme IP qui était copié. Si je crois savoir, c'est pas très grave. Au pire, je la cache au montage. J'ai du bol. Salut, toi, ça va? Oh fuck, oh je suis trop con. Et voilà, donc pour l'épisode d'heure détente, ça arrivera très très vite après le dernier épisode de Robin's Return. Pour le map making, ça prendra un peu plus de temps parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas réellement d'idée. J'ai toujours pas fini de remplir les scoreboards pour ceux qui avaient suivi un peu le dernier épisode. Donc pour vous dire, voilà, j'ai tellement de choses à faire que remplir des scoreboards, j'ai vraiment pas le temps quoi. C'est horrible. Tiens, salut toi. Et voilà. Et du coup, je pense que je vais faire quelques. J'ai vu que le Zap the Walls avait pas mal plu. Je vais essayer de. Aïe, bien joué ça. Je vais essayer de. Je vais essayer d'en faire un deuxième parce que bah, j'avais bien aimé faire le montage aussi. J'essaierai de m'améliorer bien plus dans le montage aussi. Parce que vous le savez, de toute façon, ouais, le montage ça a toujours fait bien plus que deux. Hop, toi ça t'apprendra à camper. Ouf, c'était violent celui-là comme je l'ai eu. Ah, bien joué. Oh, toujours le même. Donc j'essaierai de faire un deuxième Zap the Walls. Ou peut-être un Zap Quakecraft, je sais pas trop. Non, je pense que je ferai plus un The Walls. Et j'essaierai de vous faire quelques parties de Quakecraft de temps en temps, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez sympa, qui plaît vachement en ce moment. Et puis voilà, c'est assez sympatoche. Sinon, entre autres, j'essaye de me remettre un petit peu au PVP en groupe, en très gros groupe plutôt. Ce que j'appelle très gros groupe, ce sont les Hunger Games, entre autres. Enfin, principalement, surtout. Et pour ça, en ce moment, je traîne pas mal sur le serveur Hunger Games d'Aznet. Aïe, ouf. Enfin, je traîne pas mal, j'y suis allé une petite fois. J'essaierai d'y aller de temps en temps. Et je vous invite à me suivre sur Twitter pour ceux qui s'intéresseraient de jouer avec ou contre moi en PvP. Parce que bah, je vous annoncerai de toute façon dès que je vais sur Quakecraft ou sur The Walls ou sur Hunger Games, je vous annoncerai sur Twitter avec l'IP, etc. Et ouh, j'ai été un peu bête.
Ouais, je me fais un peu poune sur cette partie, ça me plaît pas des masses. Bon, c'est normal, je suis un peu concentré sur ce que je dis. Faut du moins j'essaye. Et donc du coup voilà, je vous invite à me suivre sur Twitter parce que c'est honnêtement le meilleur moyen de savoir quand est-ce que je joue. Parce que de toute manière, je suis pas le genre de personne à flouder réellement. Oula. Enfin, Twitter, il y a des jours où je tweete absolument pas. Donc je vous dis, hein, ça ne. Il y aura aucun inconvénient à me suivre sur Twitter, uniquement des avantages. Et puis bah, ça me ferait plaisir de savoir que des abonnés actifs, en tout cas, viennent me suivre sur Twitter. Et je suis re-rentré sur le serveur pour ceux qui suivent la chaîne Erasurgus. Je suis re-rentré sur la chaîne Eragicraft. Sur le serveur Eragicraft, pardon. J'ai du mal. Salut toi, ça va? Oh. Et du coup j'essaierai peut-être de faire quelques petites vidéos délire avec Geek ou Era comme à l'ancienne. Comme la partie de Beach Volley. Les plus anciens reconnaîtront, même si c'était pas si vieux que ça. Enfin, je crois pas en tout cas. Ouh, lui il est pas loin de moi, ça me plaît pas. Fuck! Oh, putain, dommage. Oh, celle-là elle est perdue d'avance. J'ai fait un score pas trop pourri, ça va. Salut toi, ça va? Je sais pas trop où t'es, mais tu vas mourir. Voilà, je l'avais dit. Et ça fait déjà 10 minutes que je parle dans le vide. Salut toi, je t'ai entendu. Aïe, ouh, lui m'a fait peur. Bien joué. Et donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des nouveautés. Encore une fois, je vous invite à venir me suivre sur Twitter. Et pour ceux qui ont Facebook, à liker ma page Facebook. En général, tout ce qui est relativement important ou avancement de projet, je le poste plus sur la page Facebook parce que je trouve ça un peu plus officiel que Twitter. Par contre, pour tout ce qui est détente, gaming, etc., je poste ça sur Twitter en général. Et quelques conneries de temps en temps, effectivement. Ça fait déjà 12 minutes, donc on va se laisser là. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que vous aurez bien tout retenu. Donc voilà, vous en faites pas. Je sais qu'il y en a pas mal qui me demandent leur détente en ce moment. Encore une fois, voilà, il arrive dès que Roman Reigns Return est terminé. Il arrive quelques jours après, mais vraiment très peu. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao tout le monde.